Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous, but it's so fun. Running, running. Oh, non, comme un porc, c'est pas tranquille, hein. Allez bien, moi pas du tout, je suis super énervé là. Alors, je vous explique un peu. J'ai perdu le truc qui supporte la plaque là, tu sais là, le support de plaque. Mais ça, je m'en bats les couilles parce que j'en ai commandé un neuf. J'ai commandé le support de plaque avec ça neuf. Et le truc, il y a le phare dessus. Du coup, enfin, encore, je commande le phare, ça m'énerve. J'ai fait 45 km bien facile pour essayer de le trouver en faisant le chemin que j'avais fait dans le sens inverse. Et en plus de ça, tout à l'heure, j'ai perdu le vis qui tenait la selle. Du coup, je suis roulé, la selle s'est barrée. Ah, ça m'a saoulé. Du coup, je suis rentré chez moi par le même chemin. J'ai remis un vis sur la selle et là, je suis reparti. Donc là, j'ai bien fait 40 km inutile. Bon, enfin bref, ça m'a saoulé. Ouais, alors j'ai potier, je vous avais montré dans mon ancienne vidéo. J'ai cassé mon garde-boue arrière. Et du coup, j'ai racheté la neuve et j'aurais pas le kit déco dessus. Alors j'ai contacté le maître du kit déco. Donc je vous mets le lien en description, vraiment super sympa. Leurs kits déco sont de qualité et franchement top de chez top quoi. Rien à dire, merci à lui. R de Shop ça s'appelle, enfin je vous mets le lien en description. Gros merci à lui. En fait je lui ai appelé, je lui ai fait tu pourrais pas m'envoyer un petit kit déco, enfin l'arrière de mon kit déco quoi. Je vais pas en racheter un kit déco tout entier quoi. Il m'a fait y'a pas de soucis mon gars. Je lui ai expliqué que je m'étais crash en wheeling, il était mort de rire. Il m'a fait y'a pas de soucis, je te renvoie à l'arrière. D'ici 15 jours max. Et voilà quoi, super sympa. Donc remercie à lui, on va avoir un arrière de moto tout neuf. Je connais pas grand chose à cet endroit. Je roule jamais ici. Les gars, c'est sûrement un dernier enduro vlog que vous voyez, parce qu'après c'est le super motard. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, cette chaîne est une chaîne d'enduro à la base, donc on va pas arrêter l'enduro pour ça hein. Bah alors c'est comme ce chemin encore là, putain je crois que c'est encore un coup foireux ça. % impro, oui, rupture. Oh putain, le bouillard. Qui décide de dernière seconde. Ouah.
J'aurais bien fait un wheat training dans le champ là, mais l'herbe est déjà un peu haute. Et vu que je respecte pas mal les paysans, je sais pas si je vais y rouler quand même. Chacun son métier, moi je respecte les paysans, alors je vais voir si l'herbe est vraiment haute. Oh allez, ça va, on peut se faire au moins un ou deux petits woodings. Oh, énorme, j'ai fait comme ça, j'ai tourné mon gars, j'ai fait un arc de cercle. Allez, on va se casser. Je pourrais y passer l'après-midi, moi. Mais après, ça va trop faire de traces et j'aime pas bien. Je vais me caler là, je vais faire un petit live Instagram, je pense. Et après, je vous reprends, les gars. Attendez, je sais qu'à un endroit c'est super bien. Pas sûr que ce soit là. Je suis pas sûr que ce soit là. Si, Omar, ça doit être ça. Oh! Est-ce que c'est ici? Il y a des bouts de bois cachés sous les herbes comme ça. Il y a personne qui est passé avant moi là. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est pas là, je me suis gouré. Là, je me suis pas là, hein. Remarque, peut-être. Peut-être, aventure ou pas aventure. Oh, c'est pas là, hein. Putain, j'ai chié. Ça a atterri où, ça? Moi, c'est de l'enduro, tu vois. Quand je prends un truc qui me gêne, ça passe aussi, ça passe toujours. Hein. Depuis quand on passe pas, là? Oh! Calmons-nous! C'est pas une... Depuis quand la nature... Ah! Ah! Parce qu'il faut ça dans le genou, ça fait trop mal. J'ai pas mon genou, en plus. Depuis quand? C'est des rondins de bois qui m'ont empêché de passer, là. Oh! On a enduré si on ne l'est pas, hein. Alors là, mon gars, c'est de la pure impro, là. Ouais. J'ai un peu neuf, ouais, ça monte de partout. Ah! On a de merde. Attends, je te prends. Allez, la une. Vas-y, ta mère. Putain. Il m'a fait trop déraper, là. T'as le seum. Oh. Remonter sa moto dans cette position, j'adore. J'ai trompé de chemin. Pourquoi j'ai continué, moi aussi? Quand j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais, moi. Un petit peu d'élan, s'il vous plaît. Oui. Ah, c'est du pur enduro là. À la base c'était un chemin, mais. Allez, la pierre. T'as calmé? Mais où c'est que je suis? Mais où c'est que je suis? Rupture, voyons. Où es-tu? Je crois que la moto est chaude. Mec, je sais pas où c'est que je vais, je suis perdu là. On finira bien par tomber sur un chemin un jour ou l'autre, non? Oh le con! Oh le con! Ah non, mais moi je suis le roi des cons! De toute façon, l'enduro avec moi ça finit jamais bien. Il y a toujours un truc. Qui se passe. Sur mes principes, il y a tellement dans le chemin ici que je dois forcément tomber sur un chemin. Allez, courage.
sais qu'on va tomber sur un chemin, mais quand? Là est la question. Hein. Je vous avoue que je commence un peu à flipper quand même. Il y a des pierres en plus. Ah! Surtout que je suis tout seul, quoi, c'est ça le pire. Sincèrement, je suis vraiment perdu là. Oh, où c'est que je vais atterrir? Oh mais non, mais je suis trop perdu quoi. Putain. Je vous laisse avec moi les gars. Jusqu'au bout. Je commence à attraper chaud moi. C'est 25 degrés là. Oh putain, yes, un chemin. Ouais. On est plus perdu. Oh putain les gars, attendez, je coupe la GoPro, voir si c'était bien allumé. C'est bon, on a bien filmé. Oh, j'ai flippé quand même. Oh, j'ai enfin trouvé un chemin que je connais. Mec, j'ai fait bien. Ah, ça m'a tranché la... Ça m'a tranché le cou, cette connerie. Ah, il m'arrive que des merdes aujourd'hui, mais que des merdes. Oh, ça m'a saoulé là. Ça m'énerve là, y'en a marre. Ah, ça me saoule. Oh, j'avais chaud, mais plus maintenant. Oh, ça m'a saoulé, ça m'a giflé dans le dos. On atterrit tant loin que ça. Oh le seum quoi. Bon du coup je vous montrerai la montée que je voulais faire un autre jour. Tant pis. Oh, la moto a chaude. Mais quand je vous dis qu'elle a chaude, c'est qu'elle a chaude. Hein. Je vais mettre debout là, je suis fatigué. J'ai mal au bras, ça m'a crevé là. Oh, wow. Oh, je suis mort. Enfin une piste, putain. Que j'ai fait, voilà pourquoi je préfère juste voir ma KTM niveau particule. KTM niveau guidonnage, c'est de la merde. À peine t'accélères, après tu prends une pierre comme ça, l'avant il fait bla 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 bla. Là dans ta tête, c'est contrôle, contrôle, contrôle. Plus de peur que de mal, je dirais. Bon, les gars, je vais vous laisser sur ça, je pense. Merci à tous, à la prochaine. On aura bien rigolé dans ce petit merdier là-bas. Enfin, c'est ça qui vous fait progresser, c'est se foutre dans des situations de merde. Quand tu te fous dans des situations de merde que tu arrives à en sortir. Faut jamais flipper, faut jamais avoir peur. C'est bon, non de stress, même si t'es tout seul, mec. Oh, je suis mort. Bon, sur ce, les gars, merci à tous de me suivre. Et voilà, à la prochaine. Suivez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Oui, putain de merde. Comme je suis content. On est le lendemain, les gars. On est le lendemain, je l'ai retrouvé. Putain, yes. Je l'ai retrouvé ma man, je l'ai retrouvé. Oh, je suis trop content. Et en plus il reste un vis dessus. Je viens d'économiser 80€ parce que oui j'ai regardé le phare le soir. Il vaut 80 balles. Comment je vais rentrer ça dans mon sac? Alors je suis content, là j'ai fait ma journée, ça y est, j'ai la bonne humeur. Ça y est, je reviens.